souvent, quand je me rends au restaurant ou au spectacle, par exemple, et donc dans tous les lieux publics de ce style, des personnes me prennent en charge dès mon arrivée. Et à partir de ce moment-là, je deviens invisible, inaudible, et mon fauteuil, lui, devient le jouet de leur sollicitude. À droite, à gauche, en arrière, sans jamais me demander mon avis, comme si d'un coup, la parole, la pensée m'avait quitté. Je voudrais simplement que l'on m'envisage comme un interlocuteur fiable et doté de raison, non comme un colis à manipuler, que l'on me demande mon avis et que l'on écoute mon choix. Je suis un citoyen à part entière, ma voix compte.